Et mon cul, c'est du Luxray Star. Salut tout le monde, c'est Luxray Star. Vidéo FAQ comme je vous avais promis pour la vidéo spéciale sans abonné. Donc je suis en veille comme d'habitude. En veille. Et sans plus attendre, on va commencer par le remerciement de 100 abonnés. Et du coup, ben, on va répondre à votre question. Vous voyez que j'ai 5 feuilles, enfin voire 4, que j'ai écrit entièrement à la main. Je suis paumé. Pour la FAQ, même tu es licorne. Bah en fait non, parce que en fait j'ai peur qu'il m'arrive ça. En fait ce serait encore plus bizarre si un personnage de fiction animé sort de mon écran. Est-ce un paramètre ou du montage que tu fais avec ça faut mieux pour le fond? Au montage, évidemment, il n'y a pas de paramètre, mais en tout cas ce serait bien qu'il y ait un mode avec. Hein. Par contre la déconcentration peut diminuer, mais dans tous les cas, ce serait plutôt cool si nous faisons cette technique d'action là. C'est du montage, en fait, il suffit juste de se servir, de savoir se servir de la fond vert. Si on se sert bien la fond vert, on peut s'en servir aussi pour fond noir, au fond bleu, au fond violet, tout simplement. Pourquoi dans tes vidéos, tu commencerais pas, ce serait bien? Et bien, tout simplement, parce qu'en fait, ça donnerait ça, quoi. Comment tu trouves les musiques? Et bien tout simplement, alors on t'a répondu sur YouTube, ben, bien évidemment. Tout simplement, la plupart sont des musiques qu'on m'envoie. Et d'autres sont des musiques que je connais déjà. Et d'autres, c'est ce qu'on trouve sur les gens YouTube, hein, comme on te l'a dit. Donc, après, je cherche un peu partout sur Internet, YouTube, les Emotion, vidéo, le 34, du port. Cette vidéo, ça y est. Et t'as une explication en commentaire, s'il te plaît. Pourquoi tu ne parles pas dans tes vidéos? Eh bien, tout simplement, pour plusieurs raisons. Alors, d'une part, pour une raison personnelle, entre nous, entre famille, quoi, parce que j'ai pas trop le droit de faire du bruit, surtout quand j'ai quelqu'un à côté de moi. Dans ce cas, je me sers bien sûr de mon téléphone pour enregistrer mon son, enfin, le mon son de ma voix, bien sûr. Et pour une autre raison, je voulais aborder ce sujet il y a un petit bout de temps. Parce que si j'ai pas de micro, vous pouvez en tout, dans tous les cas entendre bien les sons, les bruitages du jeu. Et comme ça, vous pouvez en profiter un max. Oh. Aimes-tu manger tes crottes de nez? Oui, bien sûr, je mange beaucoup de crottes de nez, mais je trouve que ça vient à vous avec un peu de ketchup. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de Covid, donc je mange beaucoup de crottes de nez, quoi. Quelles sont tes vidéos préférées sur Internet? Eh bien, c'est très simple. Mes vidéos préférées sur Internet, je me fais en ce moment un petit top 10 qui n'est pas complet malheureusement, et j'ai juste trouvé cette vidéo, mais rassurez-vous, je vais le remplir de fur et à mesure si je trouve une vidéo plutôt bien qui me plaît. Je t'invite à regarder cette playlist, elle est entièrement publique, elle est répertoriée tout en bas de ma chaîne. Par exemple, quand tu as atteint plus de 301 vues. Ok, pour ta FK, sur ta chaîne, comptes-tu faire des vidéos autres que Audio Surf ou d'autres jeux et faire quelques vidéos aux jeux d'horreur ou aux jeux multi? Pas, je trouve. Et bien, sauf Audio, ça continue. Je me suis préparé en fait, une liste pendant que la saison était en cours, quoi, pendant les semaines. Je suis en effet préparé une petite liste, c'est en tournage et en montage, hein, je ne vais pas annoncer de date. Mais je l'horreur, j'y compte pas, mais en tout cas, ça fait que je compte continuer, parce que c'est quelque chose qui me plaît, et ça vous plaît à vous aussi. Mais j'ai aussi ouvert une petite série sympa, c'est un nouveau, bien sûr. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule vidéo, je
pense que c'est vraiment quelque chose que je compte vraiment, mais vraiment bien travailler. D'ailleurs, il y a une autre en préparation, c'est de sortir le mois prochain. Je pourrais faire sortir ce genre de vidéo tous les 1 mois, parce que niveau montage, ça prend du temps, et surtout que pour avoir les heures de tournage aussi, c'est chouette à trouver les blagues. Ok, je me suis mis à danser. Alors... Le dessin que tu as posté sur Twitter est-il un défi avec Almara? Pas du tout, c'est en fait un cadeau de ma mère qui fait ses 51 ans. Je vous invite à aller voir mon nouveau site qui s'appelle Twitter. Vous trouvez tout juste là. Voilà, ceux qui ne vont pas aller voir en fait. Ouais, c'est un peu. Oula, je contrôle pas encore bien la caméra. C'est un petit peu froissé, je suis tout désolé, mais ça c'est les coups de gomme et les coups de peau de cochon. Forcément, c'est un peu froissé, mais c'est un cadeau que je tiens à faire à ma mère quand même. Donc, c'est aussi devenu une tradition de faire les cadeaux de dessin de mon côté. Bon, en tout cas, j'aime bien dessiner, j'ai dessiné beaucoup en 5e, mais malheureusement, le moins dans moi, depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, je dessine beaucoup moins et j'aime me monter. Pourquoi t'es moche? Ah ben, ça tombe bien que tu me le fasses enfin remarquer. Bon, en fait, c'est parce que... Voilà. Donc t'as compris? Oh. Vidéo, salut! Oh! Oh. As-tu déjà communiqué avec les youtubeurs plus connus que toi? Ah oui, j'ai déjà communiqué avec plusieurs youtubeurs, enfin très peu. Le plus connu, ça reste Nino et Storm FX3 avec qui j'ai pu communiquer. Enfin, c'est facilement communicable avec, sur Twitter, bien sûr. Je vous dis à la je vous invite à me rejoindre sur Twitter. Hein, sinon, je communique surtout avec Poulu qui est facilement communicable pour prendre quelques renseignements sur le cul, bien évidemment. Évidemment, donc, oui, je regarde les chaînes de plus. C'est plutôt une bonne chaîne. Sinon, j'y teuf une ou deux fois dans les commentaires. Et c'est quelqu'un avec qui je communique aussi facilement, mais rarement, il n'est pas très actif, malheureusement. Pour la vidéo, les inclus des prochains projets, on m'a proposé il y a 2 semaines de ça, enfin voire 3, plus précisément, enfin plutôt 3 semaines, qu'on m'a proposé, enfin j'ai parlé de ma vision sur internet, qui est relativement le même que Antoine Daniel et Mathieu Sobey il y a 3 ans, que j'ai cette vision-là, que je suis toujours la même, mais qui a évolué enfin, mais, j'en avais parlé, j'avais parlé de l'émission, enfin de ce genre d'émission, et on m'a demandé si ça me plairait de faire la même chose, et bien effectivement ça me plairait, seulement je dois réfléchir à quoi donc, à qu'est-ce que je vais faire comme émission. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire vraiment, mais ce qui me fait vraiment, me tient vraiment à cœur, parce que je suis pas sûr que ça soit vraiment le début que je veux, parce que je pense à plein de projets que j'ai dans mes récits, mais la plupart ne verront jamais le jour. Sinon, si je tiens à ouvrir une autre chaîne, rassurez-vous, celle de gaming, ma chaîne de gaming restera toujours en ligne, hein. Bien sûr, je continuerai à faire des vidéos comme ça, photo, comme je le disais tout à l'heure. Mais je pense effectivement à faire autre chose que du gaming. Tu mérites être le plus convenu quand même. Pourquoi tu ne fais pas une campagne de but? Eh bien d'abord, merci parce que ça me... Comme ta question me touche à cœur. Hein. Et bien, tout simplement, je ne sais pas plus, tout simplement parce que... je trouve que c'est un acte de lâcheté, je trouve ça trop facile de faire de la pub. Norman lui-même l'a dit, autant faire la nature, laisser la nature faire les choses que de forcer les choses. Je trouve ça nul, je trouve ça dégueulasse, je comprends pas pourquoi faire de la pub. En plus qu'on est indépendant sur internet, on n'a pas d'horaire à respecter.
Puis une façon de vous connerie, hein, je le disais tout à l'heure, les bonnes musiques, c'est la même vision qu'Internet. Le match de sommet est en train d'année, il y a 3 ans de ça, à peu près. Et je trouve que c'est plus, et je trouve que c'est beaucoup mieux à faire des vidéos que faire une campagne de pub. Il y a encore tant que je dis pas trop le spam et l'astute sur les commentaires. Tout va bien. J'ai perdu mes fiches. T'as une copine? Oui, elle se trouve. Vous pouvez cliquer juste ici, pardon. Elle s'appelle Lara. Elle a sa propre chaîne YouTube. Elle vous fait des dents. Elle est super canante, super sexy. Elle est pas trop poilue, bien sûr. Hein, sinon, ce serait moche. Quel style de vidéo tu aimes regarder? Quel style de musique que tu aimes écouter? Ben, c'est le style de musique, c'est le style de musique qui dit pas franchement, vous allez écouter par 5 secondes. Pas trop ce qui est mort quoi, mais du DJ, j'écoute pas de rap, mais j'écoute pas trop de classique. J'aimais écouter de la musique épique, mais malheureusement je m'en suis lassé à force d'écouter 5 heures de musique épique en boucle, hein, en boucle, en boucle, en boucle. Et après, ces nouveaux vidéos, j'aime regarder plein d'émissions, des vidéos de fiction. Je suis un gamer, mais je ne regarde pas beaucoup de vidéos gaming, malheureusement. À part la chaîne de Suzy ou alors la série de Paravore de Exogame, que je salue si tu m'entends. C'est bon, t'as un micro? Voilà, c'est de la fin de cette vidéo. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et d'avoir lancé vos questions. En tout cas, merci pour les 100 abonnés. En tout cas, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah, c'est bien, maintenant, vous pouvez vous abonner ou me suivre sur Twitter. Et sur ce, ciao.